salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Là, on s'en va se faire une petite bouffe. Et si tu te demandes où est-ce qu'on s'en va, bah, le sujet, c'est ça. Allez hop, on y va. C'est de la musique et... C'est de la musique et... Des fringues, c'est ça? C'est ça? C'est de la musique et des fringues? Ça, là, là où on est. Ok. Et voilà, du coup, c'est ça, on est rendu. C'est la banquise et ils servent 30 variétés de poutine. C'est super bon, la poutine naturellement, il y a énormément de variétés. Ça existe depuis 1968. Je pense que c'était un pompier qui avait créé ça à la base. Après ça, ça a varié. C'est, je sais plus ce que c'était, une sandwicherie, ou je me souviens plus. C'est devenu en fait une spécialité poutine. Une crèmerie. Bon, et c'est devenu une spécialité poutine. Il y a les pompiers d'ailleurs qui sont juste derrière. Ici, on peut les voir. Et on va aller déguster ça tout de suite. Est-ce que tu vas mettre de la musique là-dessus? Ben, je pensais pas, mais là, comme tu dis plein de saloperies de partout. C'est ça que je me demandais. Bon. Alors, on y va. Ça, c'est... du leton, c'est ça? Steak haché, oignon, frites, fromage, naturellement, c'est une poutine. Et on a choisi aussi, ça c'est la mexicaine, c'est ça? Oui. C'est quoi qu'il y a dedans? Des tomates, des olives noires et des piments forts, okay. En plus de la poutine des rivières. Ouais, c'est bon. Alors on va goûter ça avec Nimo. On va goûter celle-là. C'est celle-là. Avec... Ça va? Ouais, c'est vraiment bon. Le steak haché, on le sent vraiment bien. Est-ce que c'est bon? Avec le steak haché? J'aime ça? C'est vraiment bon, hein? Ouais, c'est vraiment bon. Super bonne poutine. Alors, la mexicaine? Tomate, olive, piment. Ça va être fort, ça. Les piments. C'est différent, c'est plus, il y a plus de légumes. Et c'est différent. C'est bon. Toi, t'aimes ça? On va essayer avec une tomate. Voilà, on va essayer ça. C'est pas bon. Avec une tomate, du fromage. Et des frites comme dans la poutine. C'est des légumes quoi, c'est plus végé un petit peu. Mais c'est très bon. C'est bon? Hein, c'est bon hein. Laquelle tu préfères? Je préfère celle-là avec le steak et les oignons et les frites et tout ça. Hein, comme le système de la poutine mais avec le steak. Ou tu préfères celle-là avec les légumes? Avec les légumes? Celle avec les légumes?
Toi, papa? Moi, je préfère celle avec le steak. C'est le steak. C'est une viande. Non, elle est vraiment bonne. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, la banquise, c'est donc ouvert 24 heures sur 24. Tu peux venir à n'importe quel moment, même si c'est en plein milieu de la nuit. Évidemment, c'est super facile d'accès. C'est au plein centre-ville de Montréal, en arrière du parc La Fontaine, en métro ou même à pied. Et pour le reste, eh ben, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Des questions, des suggestions dans les commentaires. De toujours appuyer sur le petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye!